Bonjour, je suis à l'abbaye des Pots aujourd'hui. Et là, je suis tombé sur cet arbre qui est assez exceptionnel. Donc, il y a des marques un petit peu sur lui, bien sûr. Donc, j'ai pu repérer ici une source qui va dans ce sens-là. Hop. Avec le gamma, bien sûr, sur la faille. Directement, là, c'est la fissure de l'arbre, pardon. Qui traverse bien sur l'autre côté la même chose. Et une autre source qui passe dans ce sens-là, avec le gamma ici. Donc je vais faire un tour parce que la source, vu qu'elle traverse. Voilà, ici, c'est la dernière source que je viens de vous montrer. Et la première source, elle est ici. C'est ici la faille. Ensuite, la seconde nocivité que j'ai pu remarquer, c'est le grand diagonal, donc le réseau grand diagonal, qui se croise. Alors, il passe ici et là-bas. Donc le croisement est là-bas. Sauf que le grand diagonal, la particularité du grand diagonal, c'est qu'elle monte en biais dans les étages. Enfin, plus on monte, plus ça part en biais. Et comme par hasard, le croisement du grand diagonal se situe au niveau de l'explosion de l'arbre. Donc, le grand diagonal, sa spécificité, c'est qu'il fait, il crée des, il démultiplie les troncs. Voilà, donc c'est pour ça qu'en fait le croisement a beau être ici, il part en biais en montant, et en fait il est par ici le croisement. Voilà, ce qui crée un arbre avec une démultiplication de troncs. Voilà. Merci à vous.